Cette soirée que nous organisons aujourd'hui est la troisième rencontre avec Hervé Lebras, notre troisième rencontre. Alors nous, c'est une petite équipe de recherche sur le Japon qui s'intitule Population japonaise, une petite équipe que nous avons créée il y a 6 ans, l'INALCO, et qui s'est donné pour objectif d'analyser les mouvements de population et la diversité de la population japonaise contemporaine. Très vite, Rémy Scocimaro est devenu l'un des piliers de cette équipe. Et nous avons eu avec lui l'idée de proposer des synthèses de nos analyses à travers des cartes de l'espace japonais. Donc, Rémy Scocimaro est géographe, spécialiste du Japon, maître de conférence à l'Université de Toulouse et aujourd'hui, et pour 2, 3 ou 4 ans encore, chercheur à la Maison franco-japonaise. Le travail d'Hervé Lebras a été pour nous tout de suite une source d'inspiration, une immense source d'inspiration, et nous l'avons donc invité, première fois à l'INALCO, c'était avec Emmanuel Todd, si vous vous en souvenez, il y a peut-être 5 ans, une seconde fois à la Maison franco-japonaise, c'était exactement l'année dernière, au mois de juillet, pour un colloque consacré aux marges sociales en France et au Japon, et au dynamisme que les marges représentaient pour nos sociétés. Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ce colloque d'ailleurs, les interventions sont en ligne sur la chaîne YouTube de la Maison franco-japonaise. Cette conférence le sera aussi, ainsi qu'une explication de ces cartes par Hervé Lebras. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne. Qu'est-ce qui nous plaît dans le travail d'Hervé Lebras? Tout d'abord que ces cartes sont de formidables outils de connaissance, une sorte de synthèse d'un immense travail de collecte de données, mais aussi la construction d'une hypothèse. Les cartes testent et mettent en scène des hypothèses. Une deuxième chose, c'était Natsume Soseki, je crois, qui disait dans le roman Rewa Neko de Haru, le Je suis un chat, qu'il fallait parfois regarder un paysage en mettant la tête en bas, entre les jambes. Et que ça permettait de découvrir des perspectives qu'on ne voit pas quand on garde la tête normale. Et je crois que les cartes d'Hervé Lebras ont aussi cet aspect un peu iconoclaste, même si le terme est mal choisi. C'est-à-dire qu'elle propose, contre parfois des explications un peu faciles, récurrentes, qui parlent de rupture, etc., elle propose de cerner de longues continuités qui structurent l'espace français et son histoire. Et puis troisième point, ces cartes sont belles. Tout comme il existe un gai savoir, comme disait Rabelais, il existe aussi, je crois, un beau savoir, qui donnent envie d'apprendre et qui sont vivifiants pour des chercheurs parfois habitués à une littérature plus grise. Et c'est pour ça que j'avais l'idée d'une exposition dont on avait parlé ensemble en allant à Kamakura, je crois, dans un petit train, une exposition de vos cartes, donc comme objet esthétique également. Ce projet a vu le jour, vous êtes tous invités ici au vernissage de cette exposition tout à l'heure, au terme de cette conférence. Mais l'actualité française est brûlante. On a rarement eu l'impression dans ces dernières décennies d'un tel bouleversement politique. Nous avons donc demandé à Hervé Lebras de consacrer cette conférence plus spécifiquement à l'analyse, selon sa méthode bien sûr, de l'élection présidentielle française. L'exposition, donc à l'étage au-dessus, complète ce qui sera dit ce soir, en précisant à la fois la méthode cartographique et les grandes forces qui structurent l'espace français. La conférence se déroulera sur une petite heure, je pense. Nous prendrons ensuite quelques questions de la salle. Puis je laisserai la parole à Rémy Scocimaro, qui nous montrera comment cette méthode peut être appliquée à la réalité électorale japonaise. Vous retrouverez d'ailleurs les cartes de Rémy Scocimaro dans la dernière partie de l'exposition au second étage. S'il nous reste du temps, le débat reprendra jusqu'à 19h30. Monsieur Lebras, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette présentation élogieuse et surtout merci à la Maison franco-japonaise de m'avoir invité une nouvelle fois. J'apprécie beaucoup le fait d'être reçu par la Maison franco-japonaise et puis plus généralement j'ai toujours beaucoup aimé mes séjours au Japon. Je vais vous donc présenter une interprétation possible de récentes élections et surtout des élections
présidentielle, parce que au moment des élections présidentielles, les opinions s'expriment au fond à partir d'un passé assez lointain et sans des conditions locales comme les élections législatives plus récentes qui ont suivi et qui d'une certaine manière sont la conséquence mécanique des élections présidentielles. Je vais procéder en plusieurs temps. D'abord, essayer de comprendre, et je vais le mettre tout de suite, d'où sortent les électeurs de Macron, puisque ni le parti de Macron, ni Macron lui-même n'était connu il y a un an. Macron existait bien sûr, il avait déjà une belle carrière, mais il n'était pas connu du grand public. Donc, comment les électeurs ont-ils, d'où venaient-ils ceux qui ont choisi Macron? Et je montrerai qu'il y a une continuité d'assez long terme dans son électorat. Et puis, dans un second temps, je regarderai, et M. l'ambassadeur y a fait allusion, quelle est la nature du vote populiste en France, et notamment, bien sûr, du vote en faveur de Marine Le Pen. Et puis, après avoir aussi dit un mot du vote socialiste, j'essaierai de vous donner une vision de, au fond d'ensemble de l'événement qui s'est produit en France et de sa signification, et je dirais de sa signification internationale. Alors le tout sera fait avec des cartes, comme on l'a dit. Ces cartes sont fabriquées à partir des résultats des élections ou d'autres phénomènes connus dans les 36 300 communes françaises. Donc, comme vous le verrez dans l'exposition, lorsqu'on dessine ces résultats pour toutes les communes, la carte n'est pas lisible. Donc on procède, pour rendre lisible la carte, à ce qu'on appelle un lissage de la carte, qui aussi sera indiqué dans l'exposition. Pour commencer donc, vous montrer quel est le vote. Voilà le vote pour Macron, presque toujours, sauf une exception et j'y reviendrai. Les couleurs les plus rouges, c'est pour les valeurs les plus fortes, et les couleurs les plus bleues, c'est pour les valeurs les plus faibles, comme pour, au fond, les cartes maintenant qu'on voit très souvent de météorologie, ou bien comme les analyses du cerveau et de l'activité du cerveau, donc c'est un codage, je crois, auquel on est habitué. Voilà, et vous voyez que le vote Macron est fort dans l'Ouest et dans le centre de la France, faible au nord, tout au nord, et faible sur le bas sud, qui est le rivage de la Méditerranée. D'où sort cette carte? Eh bien, en fait, quand on regarde les intentions de vote durant la campagne électorale, on pose une question: pour qui avait-on voté 5 ans avant à la précédente présidentielle? Et beaucoup des futurs électeurs de Macron disaient qu'ils avaient voté pour un candidat du centre, Bayrou, qui est à l'origine d'un parti qui descendait du parti chrétien-démocrate français, le MRP, et puis aussi d'autres disaient qu'ils avaient voté pour François Hollande 5 ans auparavant. Donc, j'ai fait une expérience très simple. J'ai pris, voilà, quels sont les votes, vous le voyez à gauche, c'est quels étaient les votes pour François Bayrou en 2012 et quels étaient les votes pour François Hollande en 2012 au premier tour. Et j'ai simplement suivi ce que disait Macron, qui dit « je suis à la fois de droite et de gauche », et plus exactement de centre de droite et de centre gauche. Donc, il devrait être la combinaison de ces deux cartes, et bien sûr, tous les électeurs de Hollande, qui sont des socialistes de gauche, n'ont pas voté pour Macron, donc j'ai pensé que la moitié avait voté pour Macron et que tous les électeurs de Bayrou avaient voté pour Macron. Et quand on additionne dans chaque commune les votes
cinq ans auparavant pour Bayrou et la moitié des votes pour Hollande, on obtient une carte, et cette carte, après, cette carte est la suivante. D'un côté, vous avez le vrai vote, et c'est sur la droite, et de l'autre côté, sur la gauche, vous avez cette carte. Et vous voyez qu'on obtient presque exactement les mêmes cartes. Et d'ailleurs, du point de vue des chiffres globaux, Bayrou avait fait 9,5% et Hollande avait fait 28. La moitié de 28, c'est 14. 14 plus 9,5, ça fait 23,5. Et Macron a fait 24. Donc même globalement, le résultat est correct. Donc voilà quelque chose qui nous renseigne sur l'origine de l'électorat de Macron. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on pourrait appeler une recomposition. C'est une recomposition aussi, je vais vous le montrer. Alors, il y a quelques petits écarts et qu'on peut expliquer à chaque fois, mais on entre dans le détail de la France. Je vais juste en indiquer un. Vous voyez que tout en bas, sur la gauche, on a moins voté pour Macron qu'on aurait pu le prévoir en faisant la somme des deux anciens votes. Et c'est parce qu'il y avait un candidat très particulier qui était juste dans cette partie qui est les montagnes des Pyrénées de l'Ouest, qui était en fait un ancien berger et donc qui a recueilli beaucoup de votes juste à cet endroit-là. Et là, je ne pouvais pas le prévoir à partir de 2012. Il est arrivé brusquement en 2017. Alors il y a quelques petites choses comme ça, mais il y a aussi une autre différence. On voit que au fond, il y a des plus grosses taches sur la carte de droite, c'est les grandes villes. Et le vote pour Macron a été encore un peu plus urbain, un peu plus orienté dans les grandes villes que ne l'était le vote pour Bayrou et surtout le vote pour Hollande cinq ans auparavant. Et on le voit bien, si on fait une carte, j'ai agrandi une région française qui est les Pays de la Loire. Alors c'est la grande ville des Pays de la Loire qui est au centre, à gauche, c'est Nantes, et puis on a en dessous la Vendée, et puis en haut, sur la droite, tout en haut, c'est la Sarthe qui était le département de Fillon, un des adversaires, l'adversaire de droite, et donc il y a eu très peu de votes pour Macron, il y en a eu moins dans la Sarthe, mais vous voyez que les zones rouges, c'est les zones urbaines, c'est des grandes villes et autour des grandes villes, et là, il n'y a pas lissage. La carte est vraie commune par commune. Et vous, quand on regarde d'ailleurs la densité de population, on voit que c'est dans justement ces communes, et ce n'est pas simplement la densité, c'est la richesse, c'est le revenu moyen. Donc c'est les classes moyennes et supérieures, assez largement, mais pas toutes, qui ont aussi soutenu Macron. On le voit aussi en regardant quel est le prix du mètre carré. Mais le vote de Macron ne se résume pas à un vote des classes aisées de la population. Une partie d'entre elles ont voté pour Fillon, qui est le candidat de droite, donc c'est le vote traditionnel. Et je terminerai sur cette question de partage entre le vote traditionnel et le vote Macron. Alors, est-ce que c'est nouveau, cette fusion de l'électorat du centre avec l'électorat du centre-gauche? Je pense que cette fusion s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue de la politique française. Et pour vous le montrer, j'ai comparé deux élections présidentielles, celle de Mitterrand en 1981 et celle de Hollande en 2012. Donc, que s'est-il passé en 30 ans? Ces deux candidats ont gagné au second tour. Donc, j'ai simplement regardé là où Hollande avait fait mieux que Mitterrand et là où Mitterrand avait fait mieux que Hollande. Et ça donne une carte qui est la suivante. Vous voyez déjà qu'il y a une ressemblance avec le vote de
Macron. Mais à l'époque, je me suis demandé d'où sortait une telle carte. Pourquoi est-ce que la gauche avait évolué de cette manière-là? Vous voyez qu'elle était devenue plus forte à l'ouest et au centre, et plus faible au nord-est et sur la Méditerranée. Et il y a un moyen de le comprendre pour cette époque, c'est à partir de l'évolution de la religion catholique et de l'apparition du Front National. Ici, vous avez une carte qui a été faite très précisément en 1965, commune par commune, sur la pratique religieuse en France. Et ça représente les proportions de personnes qui allaient régulièrement à l'office religieux, la messe le dimanche. C'est une coupure de la France très ancienne et très forte. Vous voyez que dans les régions en rouge foncé, souvent 80% de la population allait à la messe, et que dans les régions en bleu foncé, parfois moins de 10% allait à l'office religieux. C'est deux France très différentes. Or, depuis à peu près 40 ans, la pratique religieuse a beaucoup diminué en France. À l'époque, en 1965, elle était à peu près 45% de la population. Elle est maintenant de 12,5%. Donc, quelque part, l'opinion religieuse, les électeurs, au fond, religieux, se sont laïcisés et ont donc glissé vraisemblablement vers du centre où ils étaient, vers le centre gauche. Et dans le même moment, en 1984, est apparue la carte que vous voyez. C'est la carte qui montre les résultats du Front National. Cette carte est très stable, il y a des petites variations, mais presque toujours, vous la retrouverez plus tard, elle est aux mêmes endroits. Vous voyez que le Front National est fort sur le nord-est et sur la Méditerranée. Et maintenant, si vous dites, eh bien, ce qui s'est passé entre Mitterrand et Hollande pendant 30 ans, c'est des catholiques, ou du moins des personnes des régions catholiques, sont venues voter en plus pour Hollande, ont abandonné souvent le vote de droite pour un vote de centre-gauche, et inversement, des électeurs de gauche sont passés au Front National. Donc vous faites au fond un peu la même opération que je vous ai montrée à propos de Macron, mais cette fois-ci vous mettez en plus les catholiques et en moins du Front National. Et vous obtenez cette carte-là, et vous voyez quand vous faites la comparaison que les deux cartes sont pratiquement les mêmes et proches de la carte du vote Macron. Donc, vraisemblablement, si je vous montre cela, c'est pour dire que le vote de Macron, la composition de l'électorat de Macron, n'est que la prolongation d'un mouvement de sécularisation ou laïcisation de la France, et d'un mouvement aussi de populisme, d'un montée du populisme. Et donc, quelque part, on peut dire que Macron a, au fond, anticipé ce que était cette évolution et l'a poussé à fond dans sa logique en se présentant comme à la fois de droite et de gauche. Je vais passer très vite les images suivantes, c'est juste pour vous persuader que ce que je montre c'est pas simplement deux cartes qui se ressemblent, mais c'est deux phénomènes qui sont très voisins. Donc je vais le faire à la façon plus mathématique, en mettant les valeurs. Je voulais vérifier quelque chose. Donc vous dites que la droite catholique a voté à gauche et, puis ensuite a voté Macron au centre-gauche, et qu'une certaine gauche est passée au Front National et n'a pas voté Macron. Et c'est ça qui explique le vote Macron. C'est, c'est ce qui explique la progression du vote socialiste. Mais ensuite, dans un second temps, vous l'avez vu, c'est ce vote socialiste qui est le résultat de cette opération à la fois
d'intégration des catholiques et de perte vis-à-vis du Front National, qui va se concrétiser dans le vote de Macron, puisqu'il va en plus prendre le vote de Bayrou, c'est-à-dire qu'il va achever la transformation, puisque le vote, peut-être oui, c'est ce qui manque, le vote pour Bayrou que vous avez vu au tout début, le vote que vous avez vu au tout début ici, en vert, c'est le vote centriste, du parti centriste, le Modem dirigé par Bayrou, qui est l'héritier du parti chrétien, du mouvement chrétien démocrate français. Et si vous regardez bien cette carte, je vais vous mettre maintenant la carte religieuse. Vous voyez qu'elles sont très, très semblables. Donc il a simplement concrétisé ce qui était à l'œuvre déjà dans le passage de Hollande, de Mitterrand à Hollande. Il est en continuité avec cette évolution. Il l'a simplement concrétisé puisque Bayrou, qui était le président de ce mouvement de centre d'inspiration religieuse, a fait alliance très rapidement avec Macron pendant la campagne électorale. Et on voit bien, au moment où il fait alliance, les votes, les intentions de vote pour Macron progresser. Je passe assez vite, c'est juste pour vous dire que statistiquement, ce que je vous montre avec des cartes est vérifié et que ce n'est pas simplement une impression visuelle. Donc, je n'insisterai pas. Maintenant, le second tour. Alors, je vais vous montrer sur le second tour quelque chose qui me laisse perplexe, mais qui est extraordinairement net. Je vais tenter une petite explication, mais à vrai dire, je n'en suis pas du tout certain. Mais le fait que je vais vous montrer est assez, on peut le dire, étrange. Voilà les votes pour Macron au premier tour. Au premier tour, Macron a obtenu 24%, Le Pen 21%, ça fait 45% de l'électorat. Au second tour, il reste seulement eux deux, donc c'est 100%. Vous voyez que les deux cartes sont presque semblables. Autrement dit, ça veut dire que les 55% qui n'avaient pas voté pour Le Pen ou pour Macron, au second tour, ont voté à chaque endroit dans la même proportion qu'on avait voté au premier tour, soit pour Le Pen, soit pour Macron. Si 80% des gens avaient voté, si plus exactement, je vais peut-être prendre un exemple, si 40% des gens avaient voté pour Macron et 10% pour Le Pen, au premier tour, ça fait 50%. Au second tour, vous aurez 80% pour Le Pen, pour Macron, et 20% pour Le Pen. Vous le verrez d'une autre manière. Donc c'est peut-être une coïncidence, mais ça veut dire qu'il y a un aspect qu'on peut qualifier de mécanique dans le passage du premier tour au second tour. Et quand on y réfléchit, c'est logique, parce que le premier tour, vous l'avez vu aux exemples précédents, est fabriqué par des forces traditionnelles très anciennes, comme le catholicisme. En revanche, entre les deux tours, ces forces très anciennes ne changent pas. Rien de nouveau se produit pour elles. Donc il y a simplement des ajustements mécaniques qui ont lieu, qui sont fonction des résultats du premier tour. Pour vérifier une hypothèse de ce genre, j'ai regardé l'élection précédente. Qu'était-il arrivé à Hollande contre Sarkozy? C'était en 2012. Voilà ce que cela donne. En haut, vous avez ce que représente Hollande par rapport à Sarkozy au premier tour. C'est le total fait à peu près 55% des voix. En bas, c'est le second tour, donc c'est 100%. Vous voyez que les deux cartes sont pratiquement identiques. Et si vous faites un petit graphique, vous mettez en bas, la proportion de voix au premier tour de Hollande par rapport à Hollande plus Sarkozy. Et puis en haut, la proportion de voix de Hollande au second tour. Vous voyez un alignement presque parfait. Autrement dit, c'est la même proportion
au second tour qu'au premier tour. Autrement dit, ceux qui n'avaient pas voté pour l'un ou pour l'autre ont voté exactement dans les proportions observées au premier tour. Quel que soit leur vote du premier, c'était peut-être qu'ils avaient voté pour le candidat dans ce cas-là précis, de l'extrême droite, ou bien peut-être pour le candidat du centre, peut-être pour un trotskiste, ou peut-être ils s'étaient abstenus, mais au second tour, le second tour n'a fait que répéter le rapport de force du premier tour. Je me suis demandé, et le cas précédent, c'était Ségolène Royal contre Sarkozy en 2007. C'est sur la droite, vous voyez, non, c'est sur la gauche, vous voyez que non seulement ça ne change pas du premier au second tour, mais ça ressemble beaucoup au cas suivant. Donc il y a un aspect qui est étrange dans cette fabrication du second tour par le premier tour. Et si je poussais mon idée à bout, je dirais, mais à quoi sert le second tour, puisqu'on connaît le résultat au premier tour. Juste pour finir, le graphique que je vous ai montré comme cela, je l'ai aussi tracé pour le premier tour de Macron et le second tour de Macron, c'est juste pour vous en convaincre. Vous voyez que les alignements sont excellents. C'est très rare en sciences sociales qu'on obtienne des régularités de ce genre. Pour les techniciens, c'est des corrélations qui sont de l'ordre de 0,99. Je vais passer au vote sur Le Pen. Alors, le vote Le Pen en France a fait l'objet de beaucoup d'analyses et les plus récentes ont beaucoup insisté sur la différence entre les grandes villes ou métropoles et les campagnes ou les petites agglomérations et les villages, sachant que les grandes villes votent beaucoup moins pour le Front National que ce qu'on a appelé la périphérie, c'est-à-dire les petites agglomérations lointaines. Alors, on le voit sur cette carte-là, déjà, j'ai simplement mis le vote pour le Front National en 2012, donc il y a 5 ans, puis le vote en 2017. En 2012, le Front National, donc l'extrême droite, avait fait 18,3%, en 18,5% en 2017, donc il y a un mois, il est monté à 21,3%, donc il a fait à peu près 3 points de plus, mais regardez les deux cartes, il est resté fort aux mêmes endroits et faible aux mêmes endroits. Et les trous que vous voyez sur la carte, c'est les grandes villes, particulièrement en haut, Paris et tout ce qui est autour de Paris. Et puis, un peu plus bas, vous voyez très bien Lyon, ou bien sur la gauche, vous voyez Bordeaux, qui sont des grandes villes, et où le vote du Front National est très faible. Et vous voyez que aussi, il y a au fond deux caractéristiques de ce vote du Front National, une caractéristique des villes contre la périphérie et puis une caractéristique de certaines régions contre d'autres régions. Et c'est le point que je vais discuter. Juste un exemple pour vous montrer ce qui se passe dans les villes. Voilà ce qui se passe à Paris. Vous voyez que le centre de Paris vote très peu Front National et plus on s'éloigne, plus le front du Front National est élevé. Quand on regarde cela selon la distance, c'est sur les 5 dernières élections présidentielles, j'ai mis en bas la distance, en horizontale, et en haut, l'importance du vote du Front National. Vous voyez qu'il est faible à courte distance des grandes villes, et puis il monte, et il est très fort à peu près entre 40 et 70 km des grandes villes, et puis redescend lentement. Mais en même temps, quand vous regardez autre chose, vous regardez par taille des villes. Un instant. Oui. Vous voyez que plus la taille des villes est en horizontale,
Et plus la population est importante, plus on va vers la droite. Et voyez que le vote Le Pen, qui est en verticale, diminue plus la ville est importante, très nettement. Donc l'idée, c'est de croiser les deux phénomènes. Et quand on croise les deux phénomènes, chaque courbe représente la vote du front, au Front National selon la distance à une grande métropole, mais pour des villes, pour des villages de plus en plus grands. Et vous voyez le noir en bas, c'est pour des villes, des petites, des villes moyennes qui font de 30 000 à 100 000 habitants. Et vous voyez que le vote Le Pen est le plus fort au niveau assez proche de la métropole. Et puis pour des villes un peu plus petites, c'est un peu plus loin, puis c'est de plus en plus loin. Et au fond, l'explication est une explication que connaissent bien les géographes. C'est ce qu'on appelle la théorie des places centrales. C'est parce qu'il y a des concurrences entre les activités des villes de différents niveaux. Si une grande ville, une ville moyenne est proche d'une très grande ville, les populations autour de cette ville moyenne iront plutôt vers la grande ville pour des achats culturels ou pour consulter des médecins spécialistes ou pour des activités de haut niveau. Mais si elle est assez loin de la grande ville, les habitants qui sont autour iront vers cette ville moyenne. Donc il y a par en dessous donc une concurrence des activités de différents niveaux entre les agglomérations qui expliquent une partie de ce vote pour le Front National, et notamment quand la concurrence est trop forte, les commerces ou les activités ferment. Et c'est un constat que l'on fait aussi très largement, que là où les activités sont le plus en déclin du point de vue des services et des commerces, le vote du Front National augmente le plus. Donc, quelque part, il y a là une explication de la distance qui est plus satisfaisante, plutôt que de parler d'abandon. Maintenant, qu'en est-il pour les régions? Et pour les régions, voilà ce que j'ai fait, et c'est l'utilisation des cartes par lissage qui permet, j'ai mis sur chacune de ces cartes, ça correspond à des tailles de communes, des populations de communes qui sont différentes. Autrement dit, sur la carte qui est en haut, c'est j'ai seulement pris le vote des communes de moins de 1000 habitants. Et sur la suivante, en haut, c'est de 1000 à 5000 habitants. Et puis sur celle qui est en dessous, c'est de 5000 à 20000 habitants. Puis de 20000 à 100000. Et vous voyez que là, la taille des communes ou la distance au centre ne joue aucun rôle. Vous avez la même carte qui apparaît. Autrement dit, il y a un effet régional très fort. Et là aussi, comment l'expliquer? Pourquoi telle et telle région? Juste avant de l'expliquer, je vais montrer qu'il est très fort. Je vais juste dire un mot parce que c'est peut-être un peu plus technique, donc je vais aller vite. Mais pour qu'on, au fond, vous avez d'un côté la question de la taille des villes, de la distance au centre, d'un côté, et de l'autre côté, quel est l'endroit, la région où se trouve la commune. Et pour comparer les deux, il faut mesurer l'effet de chacune, et pour mesurer l'effet des régions, on découpe la France en petits carrés, et puis on regarde quel est le vote à l'intérieur, et puis on calcule quelle est la part qui appartient au petit carré et la part qui appartient à la taille de la commune. On a les deux choses. Chaque commune est dans un petit carré, chaque commune a une population. Et son vote est le résultat de ces deux facteurs. Et donc on peut le mettre mécaniquement et mathématiquement. Et quand on calcule l'effet de ces deux facteurs, on s'aperçoit que l'effet régional est quatre fois plus fort que l'effet de distance des villes. Autrement dit, le vote du Front National, le vote populiste est fabriqué surtout par la situation de certaines régions par rapport à d'autres. Et donc, on va voir dans un instant quelle est cette situation.
je dépassais un petit peu, et cette situation, un des moyens qui a été trouvé de rechercher à quoi tenait ce vote important du Front National, c'est de regarder les conditions socio-économiques. Donc, un certain nombre, alors on peut mesurer un certain nombre de ces conditions. Voilà, par exemple, vous avez là, en haut, je vous ai mis celle qui est toute à la gauche, c'est les inégalités de revenus locales. La suivante, c'est le revenu des 10% les plus pauvres. Pour vous donner un chiffre, les 10% les plus pauvres dans les zones en bleu, ce sont des personnes qui gagnent moins de 5000 euros. Donc 5000 euros, ça fait combien de yens? Ça fait... Ça, je laisse les interprètes décider. Bon, ça fait quoi, 5000, ça fait 500 000 yens par an, à peu près. Et dans les régions en rouge, c'est plus de 10 000 euros par an, c'est-à-dire le double. Autrement dit, les pauvres dans les régions bleues, c'est des plus pauvres, beaucoup plus pauvres que les pauvres des régions qui sont en brun. La troisième, c'est les taux de chômage. Et puis, je vais vous en montrer deux autres. Là, elles ne sont pas passées, il y en avait deux autres. Vous auriez vu que c'est la même chose pour les proportions de personnes sans diplôme et pour la proportion de familles monoparentales. Et si vous regardez bien, ces cartes-là se ressemblent. C'est toujours les mêmes zones qui sont... Alors, celles qui sont en bleu, c'est les plus pauvres dans celles du milieu. Celles qui sont en rouge des deux côtés, c'est celles les plus inégales et c'est celles où le chômage est le plus fort. Et on a aussi celles où les... sans diplôme sont les plus nombreux. Si on met toutes ces cartes ensemble, on obtient la carte de France des difficultés. Et vous voyez que, au fond, trois grandes zones se détachent, une zone dans le nord-est, une zone au bord de la Méditerranée et une zone sur, vous voyez, un peu détachée, qui est la vallée de la Garonne. Et quand cette carte-là, elle vous rappelle quelque chose et elle vous rappelle exactement la carte du Front National. Donc, on peut penser que l'idée la plus simple, c'est le Front National, c'est l'expression de problèmes économiques dans ces régions. Simplement, des enquêtes intéressantes faites par les chercheurs de Sciences Po montrent que ce ne sont pas les plus pauvres, ni les chômeurs, ni les sans-diplôme qui votent pour le Front National. En général, ils s'abstiennent de voter, ils ne participent pas à la politique. Mais ce sont plutôt les personnes qui vivent dans ces régions les plus pauvres qui se sentent menacées. Donc, on a là, semble-t-il, une explication qui est socio-économique du vote du Front National et, après tout, qui serait rassurante, puisque il faudrait donc s'attaquer à ces causes, à la pauvreté, notamment, pour réduire l'impact du Front National. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Et je vais vous montrer juste un graphique qui vous montre que ce n'est pas si simple. La courbe en... Vous avez déjà vu la courbe en brun, en marron, celle qui descend, c'est celle du vote pour le Front National selon le nombre d'habitants de la commune. Plus le nombre d'habitants, et c'est sur la ligne horizontale, plus le nombre d'habitants est élevé, moins on vote Front National. Mais les autres courbes vous montrent les différentes difficultés. Et au contraire, vous voyez que plus la ville est importante, plus le chômage est important, plus la pauvreté est importante, plus la proportion de personnes sans diplôme est importante, plus la proportion de familles monoparentales, donc de problèmes familiaux, est importante. Autrement dit, la relation entre pauvreté et Front National, quand on prend l'angle de la taille des villes, s'inverse, est l'inverse de celle qu'on avait quand on prend l'angle des régions. Autrement dit, ça ne suffit pas, les questions socio-économiques, pour expliquer ce vote. Alors, vous connaissez tous l'explication qu'on donne aussi, c'est à cause des étrangers et des immigrés en France. Là où il y a des immigrés, le vote du Front National est fort. Quand on regarde de près, c'est absolument pas vérifié. Voilà le vote du Front National
dans la région, la grande région parisienne. Au centre, il y a Paris, c'est la petite ellipse. Autour, c'est la première banlieue. Et puis ensuite, on a ce qui s'appelle l'Île-de-France, et puis même au-delà des départements comme l'Oise. Et vous voyez qu'on retrouve l'idée de la distance. Plus on est proche du centre, moins on vote pour le Front National. Mais je vais vous mettre maintenant où sont les étrangers dans exactement la même région, l'Île-de-France. Voilà où sont les étrangers. C'est l'inverse. Vous pouvez dire, quand vous avez vu ces deux cartes, plus il y a d'étrangers, moins on vote pour le Front National. Donc, c'est très net, vous voyez. Et ceci est vrai quand de ville en ville. Et quand on prend une échelle plus large, maintenant, la corrélation est nulle entre Front National et présence des étrangers. Donc il y a, c'est dans la tête des personnes que se passe cette question des étrangers ou de l'immigration. Je vais passer là-dessus. Et je vais terminer, peut-être, il me reste combien de temps? Parce que 5 minutes, ça serait bien. Combien? 5 minutes. Oui. J'aurais simplement pu montrer, je vais aller vite, mais c'est moins important, ce qui s'est passé à gauche. Vous savez qu'en France, la gauche, surtout le Parti Socialiste, a quasiment disparu. Simplement, c'est ce que j'aurais montré, que ça s'est passé à l'intérieur du Parti Socialiste et de la gauche. Et je leur ai montré en comparant les votes du candidat socialiste Hamon et les votes du candidat qui s'appelait de la gauche insoumise, qui était la gauche de la gauche, Mélenchon. Et les quatre cartes montrent à la fois Mélenchon en 2012 et 2017, Hollande en 2012, donc le Parti Socialiste, et Hamon en 2017. Les quatre cartes sont les mêmes pratiquement, et surtout au cours de la campagne, c'est ce que montre ce petit graphique d'intention, les bleus, c'était les votes en faveur de Hamon, les rouges en faveur de Mélenchon, et au-dessus j'ai mis la somme des deux, et vous voyez qu'elle est restée à peu près constante. Donc il y a eu un débat à l'intérieur de la gauche, mais qui n'a pas débordé, et qui rend fausse l'idée que les extrêmes se touchent. Parce que souvent on a dit, l'extrême gauche de Mélenchon se rapproche de l'extrême gauche, de l'extrême droite de Le Pen, et ce n'est pas du tout le cas électoralement. Cette extrême gauche n'a pas du tout repris l'extrême gauche trotskiste, elle n'a pas repris l'extrême gauche communiste. Donc on a une affaire interne au socialisme. Doucement pour les diapositives, sinon. Et je vais terminer maintenant par. Je vais essayer de terminer par. Peut-être pas une synthèse, mais quelque chose qui reprend beaucoup des cartes que vous avez vues. Vous avez, à un moment donné, vu que la carte du Front National, les régions où le Front National était fort, c'est l'inverse des régions où Macron était fort. Vous l'avez vu, puisque la carte du premier tour et les cartes du second tour étaient les mêmes. L'opposition étant au second tour, il restait seulement cette opposition. Elle existait au premier tour. Donc il y a une opposition entre Macron et Le Pen. Mais il y a une seconde opposition, et c'est là que je vais reprendre une phrase de tout à l'heure, sur la tête en bas. Vous allez voir une carte, la tête en bas. J'ai mis sur cette carte-là, d'un côté, le vote pour le candidat de droite, qui a obtenu 20%, et à côté, j'ai mis le vote pour le candidat de la gauche, Mélenchon, qui a obtenu 19,5%. Mais j'ai la seconde carte et la tête en bas. J'ai inversé les couleurs. Autrement dit, dans la seconde carte sur la droite, quand c'est bleu, c'est les très forts votes de Mélenchon. Quand c'est rouge, c'est les très faibles. Je l'ai inversé pour vous montrer que les deux cartes se ressemblent beaucoup. Autrement dit, il y a en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une. En France, c'est le croisement de deux oppositions. Une opposition traditionnelle, on dit parfois classiste, parce que celle que vous voyez ici, Mélenchon contre Fillon, on peut l'appeler riche contre pauvre, capitaliste contre prolétaire, patron contre salarié. C'est l'opposition qu'on connaît habituellement entre la droite et la gauche.
L'autre opposition, et je vais reprendre quelques mots de M. l'ambassadeur, l'autre opposition, celle entre Le Pen et Macron, c'est une opposition très différente. C'est l'opposition ouverture contre fermeture. C'est l'opposition frontière contre libre circulation en Europe. C'est l'opposition globalisation, mondialisation contre nationalisme. Et ce qui, je pense, est le grand résultat de cette élection française, et je pense un résultat heureux, est que cette seconde opposition, celle ouverte contre fermée, l'a peut-être pour la première fois dans l'histoire française emporté sur l'opposition de classe, sur l'opposition capitaliste contre prolétaire ou riche contre pauvre. Je pense que c'est un phénomène très important et l'a emporté de peu, puisque la première opposition, celle qui gagne de Le Pen face à Macron, Macron est à 24%, Le Pen à peu près 21,5%, et la seconde opposition, Fillon est à 20% et Mélenchon à 19,5%. Donc les deux oppositions sont séparées, mais par à peine quelques points. Mais la première l'a emportée. Je crois que c'est la grande leçon qu'on peut tirer de cette élection, y compris pour l'avenir, et notamment pour l'avenir de la question européenne. Je vais peut-être m'arrêter là, j'avais prévu une explication plus sophistiquée du vote du Front National, mais peut-être, et de cette opposition Macron contre Le Pen, je vais juste vous montrer un peu l'esprit de ce que c'était, parce que on le trouve d'une autre manière. Je vous ai mis cette carte, elle a l'air bizarre, c'est la proportion d'agriculteurs en 1968 en France, il y a 50 ans. Et vous voyez qu'elle est, elle est très proche, à part les villes bien sûr, de la carte des votes pour Macron. Autrement dit, on a aussi l'idée que c'est une France, et c'est un thème que défendent actuellement des économistes français comme Daniel Cohen, que se joue aussi une opposition entre optimisme et pessimisme. Les partisans de l'ouverture sont du côté des optimistes et les partisans de la fermeture des pessimistes. Et il se trouve que, au fond, les optimistes, c'est dans des régions où il y avait encore beaucoup de paysans, beaucoup d'agriculteurs. C'est donc des régions qui ont connu un changement social positif aussi, où quand les jeunes comparent leur situation à celle de leurs parents et de leurs grands-parents, ils ont le sentiment d'un progrès. Alors que ce n'est pas le cas dans les autres régions où les agriculteurs avaient disparu longtemps avant et où il n'y a plus dans le passé familial d'exemple de, au fond, de la vie pauvre des agriculteurs. Et donc, il est resté quelque chose de cette société de l'agriculture. Je n'irai pas plus loin, mais il y a d'autres corrélations importantes et je vais arrêter là pour laisser le temps à la discussion. Merci beaucoup. Votre analyse, vos cartes nous ont vraiment éclairés. Et surtout, j'ai été impressionné par ce par quoi vous avez terminé votre conférence, c'est-à-dire deux oppositions. Et à ce propos, je pense à ce qui s'est passé en Angleterre, très récemment. Je crois avoir constaté l'opposition plutôt traditionnels, conservateurs, travaillistes, sont réapparus et l'extrême droite a disparu en Angleterre, pratiquement. Si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé en Angleterre, qui a décidé l'année dernière le Brexit, et aussi bien le May que travaillistes que conservateurs ont réitéré cette décision prise par le peuple d'Angleterre au Parlement, alors que le référendum n'avait pas la force décisive en Angleterre. L'Angleterre, qu'on le veuille ou non, est entrée dans le chemin qui la mènera à l'indépendance par rapport à l'Union européenne. Or, en France, globalement, les Français ont choisi de rester.
avec l'euro, avec l'Union européenne, et cette élection s'est déroulée. Alors, en France, c'est l'opposition Macron-Le Pen l'a emporté sur l'opposition traditionnelle. Il nous semble que ce qui s'est passé en Angleterre, c'est le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour... Merci pour votre question. Un instant, s'il vous plaît, monsieur. Oui, merci pour votre question. En Angleterre, l'alignement, au fond, des deux oppositions n'est pas le même. C'est-à-dire que, effectivement, l'opposition classiste, l'opposition riche-pauvre, renaît avec Corbyn, puisqu'on a vraiment un représentant de la gauche du Labour qui devient le leader du parti travailliste. Mais, si vous regardez bien, le parti travailliste était partagé, mais il était plus pour le maintien de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, dans l'Europe, que les conservateurs. C'est les conservateurs qui étaient extrêmes. Donc, au fond, au lieu qu'il y ait... alors qu'en France, il y a un croisement, si vous voulez, des deux oppositions, en Angleterre, elles seraient plutôt parallèles. Alors, c'est certainement plus compliqué parce que les classes populaires anglaises, dans les sondages, ont plutôt voté pour le Brexit. Mais il y a de très grosses différences. Par exemple, en Angleterre, quand on regarde par âge quels sont ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est les personnes âgées, très largement, et pas les jeunes. Quand on regarde en France qui vote pour le Front National, c'est en partie les jeunes, surtout les personnes d'âge actif et très peu les personnes âgées. Donc, les comparaisons internationales sont souvent difficiles. Ceci dit, et c'est un point aussi que vous avez souligné, je trouve intéressante la chute de UKIP, du parti d'extrême droite anglais, parce que là, internationalement, il y a plusieurs ressemblances. Actuellement, le parti des vrais Finlandais en Finlande est crédité de moins de la moitié des intentions de vote par rapport aux précédentes élections, et il est en train d'éclater. Je crois aussi que malgré tout, mais M. l'ambassadeur le dira mieux, mais le Geert Wilders aux Pays-Bas n'a pas fait la percée qui était annoncée. Donc il est possible que les questions de populisme et d'extrême droite à l'échelle internationale soient en train de se modifier. C'est peut-être des coïncidences, mais vous voyez que ça en fait plusieurs qui se surviennent en même temps, y compris en France, je n'ai pas insisté, mais la baisse forte du parti du Front National. Il faut imaginer qu'il y a 2 mois, ce parti pensait avoir 100 de sièges à l'Assemblée nationale. Il en aura 8, simplement. Et les votes aux législatives sont toujours plus faibles pour l'extrême droite qu'à la présidentielle, mais ils ont été beaucoup plus faibles, 2 fois plus faibles. Oui, merci. Juste au début, quand vous faites allusion à Trump, je pense qu'il est possible que ça soit une explication aussi à la baisse de l'extrême droite dans d'autres pays, parce que quand on voit ce qui arrive avec un leader d'extrême droite au pouvoir, il y a de quoi être un petit peu inquiet. Donc il n'est pas impossible que les deux questions soient liées. Alors sur élite contre non-élite, bien sûr, je pense que c'est la meilleure définition du populisme, qui est de dire c'est le refus des élites. Il y a un très bon livre d'un philosophe politique allemand, Jan Werner Müller, sur le populisme, qui montre très clairement que c'est vraiment la partie centrale, mais que de plus en plus, quand le populisme progresse, l'élite qu'il veut éliminer devient de plus en plus grande aussi. Et
Or, il est en train de se produire en France, je pense, le phénomène opposé. Vous avez fait allusion aux villes et aux périphéries. Et vous avez vu dans la première carte, des premières cartes, on voit que le vote pour Macron s'est étendu de plus en plus hors des villes. Et là, il y a un phénomène de longue durée qu'on peut montrer. Vous aurez lassé avec des graphiques, mais on peut montrer que maintenant, depuis 15 ans, le vote du Front National diminue dans il a tendance à diminuer. Il a surtout diminué récemment dans les plus grandes villes. Pour donner les chiffres, il était seulement de 6,2% en 2012 à Paris, et maintenant, en 2017, il est de 5%. Il y en a même un tout petit peu au-dessous. Et pour d'autres grandes villes, comme Nantes, par exemple, il a aussi diminué. Et puis il augmente de plus en plus loin. Mais on a l'impression, je dirais, que justement par rapport à ouvert et fermé, les grandes villes sont plutôt du côté, et même les villes un peu plus petites, du côté de l'ouverture. Et les villages éloignés sont plus fermés. Donc on a l'impression peut-être qu'il y a aussi une vague qui va des grandes villes vers les petites villes, et que, à nouveau, l'opposition de classe dont vous parlez, qui est tout à fait exacte, les intentions de vote montrent, ou les analyses de sondage montrent que les classes populaires votent beaucoup plus pour le Front National que les classes supérieures. Là, il n'y a pas de doute, c'est l'opposition classiste. Mais cette opposition, à mon avis, est en train de reculer devant ce progrès des villes, donc devant le fait que l'ouverture qui est au centre des villes, qui est en périphérie des villes, maintenant gagne de plus en plus et gagne aussi les villes de plus en plus petites. Donc là, il y a un changement qui est au fond assez positif en train de se produire, et sans doute aussi parce qu'il y a de plus en plus de contacts internationaux dans les grandes villes, il y a de plus en plus d'unions mixtes, de migrations, etc., et puis de rapports avec les pays étrangers. Donc je crois que c'est ce mouvement-là qui est en train d'apparaître et qui est un mouvement justement qui n'est pas interprétable en termes de classe sociale. Ça n'empêche pas la question des classes sociales de continuer d'exister. Vous avez vu que la seconde opposition en France, c'est encore 40% pour elle. Mais la première opposition, c'est maintenant 45%. Donc il y a un changement qui est en cours. J'ai bien aimé avoir votre outil à disposition à ce moment-là, je ne l'avais pas, donc j'ai fait des corrélations un petit peu à la louche. En gros, c'était bon. Par contre, il y a un point noir sur lequel j'aimerais que vous nous éclaircissiez, c'est Marseille. Marseille échappe manifestement un petit peu à la logique des villes que vous avez mise en valeur tout à l'heure. Si vous avez des points d'explication sur cette ville, sur les questions d'immigration, de pauvreté, etc. Donc vous avez tout à fait raison. Marseille est une ville qui est, y compris, vous l'avez dit, pour la pauvreté, mais y compris pour le chômage, pour la plupart des paramètres, est différente des autres villes, et particulièrement des grandes villes. Mais il faut voir aussi que Marseille, c'est Marseille sans Aix-en-Provence. Il y a à côté de Marseille une ville où il y a les universités, Sciences Po, la préfecture, et où il faut bien le dire, la bourgeoisie habite à Aix ou habite en périphérie de Marseille. Marseille est une ville, au fond, où la bourgeoisie n'a jamais vraiment habité. Elle a toujours été plutôt en périphérie. Et donc, au fond, la manière dont se comporte Marseille est très, très différente. Il y a un autre endroit en France qui ne répond absolument pas à ce que je vous ai montré, et après tout, qui n'est pas si loin de Marseille, c'est la Corse. Et je ne pourrais absolument pas tenir le même raisonnement que celui que j'ai fait pour la Corse. Et je pense que Marseille entre dans un type d'analyse, effectivement, vous avez tout à fait raison, qui ne cadre pas avec ce que je vous ai montré, y compris d'ailleurs pour la question de rapport entre immigration et Front National. En revanche, des villes du Sud comme Perpignan entrent parfaitement dans le cadre que j'ai montré. Et pourtant, c'est des villes à très fort vote du Front National. Bien. Merci beaucoup.